Kintsugi 1883. C'est comme si c'était hier. Cette année-là, l'érudit, le sage du village, avait défié le au-delà en appelant l'hiver pour mouiller la potion qu'il préparait. L'arbre de la rivière s'était défendu tant qu'elle pouvait pour garder l'équilibre. Son eau trop froide l'empêchait d'agir comme il faut pour ramener le cours du temps. Fait que cet automne-là, la neige venait par partait sans qu'on sache trop pourquoi. Amoureux devant l'Éternel, aimé pis moi, on était loin de se douter que c'était pas Émérite, mais ben le diable qui était revenu au village. Hey, l'Érudit! Une potion vivifiante pour mon retour. Non, 6 mois de travail. La macération est juste à point. Mon plus grand accomplissement est à veille d'être prêt. Puis vous m'avez exclu de ça. Mais non, tu m'as ramené le grimoire. Il s'y trouve une approbation d'Atrek et c'est la dernière étape à ma préparation. Celle de l'éternité. Mais t'as lu le grimoire? Le voyage a été long. Faites un petit peu. Prends garde de t'y intéresser, Mérite, car c'est le vide qui t'attend. Puis il faudra absolument que t'en retires le contraire. Demande-toi, Mérite, quel est ton contraire? Vous? C'est quoi votre contraire? Mon contraire n'est pas en cause. Cette potion n'a rien de maléfique. Une simple bouillabaisse qui soutient pour l'éternité. Il suffit de mélanger les bons ingrédients et le consentement écrit d'un sage. Si l'on voyage pour une soupe. Prends ce voyage-là comme un enseignement émérite, puis sois pas trop vil. Ce grimoire qu'a conservé ton hôte, Atrek le sage, contient des formules extrêmement puissantes. En quoi sont si puissantes? Je dois les étudier pour arriver à les maîtriser, mais ils sont loin d'être simples. C'est la confiance que j'avais en toi, Émérite, qui m'a poussé à te choisir à la place d'Emeralda. Ne me fais pas regretter mon choix. Thank you.
Ça s'en vient-tu, ce taux-là? Hey, la blette. Elle est belle, là, comme ça se peut pas. Je me lasse pas de la regarder. Elle me chavire, puis j'ai même pas peur de me nayer. Quoi ça, ma casquette? Tu sais de qui je parle, mon snoro. Bah, reviens sur Terre! Ta grand-brune est louche! C'est une sorcière! Je l'ai vue sur le bord de l'eau, elle grouillait comme une démone, les bras en l'air. Tu l'espionnes, mon crapaud? Non, non! Bah, je marchais, puis je l'ai vue parler avec l'autre là. Je te dis, c'est une sorcière! Ben voyons donc! Tu dis ça juste pour te rendre intéressant! T'as rien d'autre à faire que d'espionner le monde, maudite blette! Je vais t'amener. Je l'ai encore vu en m'en venant. Là, je cache pas trop pour ça. Il y a pas mal juste toi qui veux pas avoir. Hey, lâche-moi tranquille avec tes histoires de marche qui mènent nulle part. Si t'es venu ici te me sermonner, ben tu vas me sacrer ton camp, maudit crapaud! Ben le crapaud, il va sauter jusque chez eux, puis il va venir, mais que tu s'es descendu de ton nuage! Tite, maudite blette! L'autre-là, il laisse rien voir, là. Ça peut juste être horrible. On n'est pas obligé de voir. On peut ressentir. Et d'habitude, là, l'autre-là, il est plus précis. Et puis la dernière fois, là, j'ai pas compris. Là. Puis depuis ce temps-là, là, je ressens juste le vide dans le dalle. Mon cœur se dessèche, Érudit. L'autre-là peut tenter de tromper celui qui l'implore. Peut-être ta transe n'était pas assez profonde. Ma transe était assez profonde. Je suis née avec ça. Tu pries à peu près partout, Émeralda. Fais-moi plaisir. Serre-toi plus de don. Le temps que je mette ça au clair. Un don, ça s'oublie pas comme ça. Puis occupe-toi donc de tes affaires. Va m'occuper des miennes. Tard dans la soirée, quand il a eu fini sa potion, l'érudit a soigneusement rempli ce qui allait être le salut pour 3 personnes. L'éternité pour la Trinité. Une pour Émeralda, une autre pour Émérite, puis la dernière pour le colloque. À cette heure, il restait plus rien qu'à brûler l'approbation puis à bénir les bouteilles avec la fumée. Avant, ordonna à terre ce qu'il y avait pris. Ah ben, c'est le moment de la semaine que je préfère. Érudit, comment ça va? Comme les oies qui partent vers le sud, mon Florent. Ah, c'est toujours agréable de vous voir. La sagesse incarnée. Si sagesse y existe, je veux que tu me présentes, Florent. Qu'est-ce qu'on vous offre, mon cher? Ben, je pars pour l'hiver au grand complet. Un colloque entre érudits. J'y présenterai mon nouvel élixir. C'est un contrat que vous m'offrez là, d'abord. Si. Va falloir que tu me sortes une de tes meilleures recettes de viande séchée. Il faut que ça se conserve pour un bout. Ça serait-tu trop te demander de me préparer ça, mon Florent? Ben non, ça va me faire plaisir de vous faire ça. J'ai justement une belle coupe de bœuf que je pourrais vous faire fumer pour le goût. Ah, certain, mon Florent. Montre-moi ton art. Mon art? Je suis pas un artiste, lui, dit. Je suis juste un bon boucher qui connaît bien son affaire. Voyons, le meilleur qui soit, Florent. Fais siffler ton couteau tellement t'es rapide. Ben, j'ai des bons couteaux.
te dérangerai pas plus longtemps, mon Florent. Faut que je tire certaines choses au clair avant mon départ. Ben, c'est bien correct que l'érudit, ça vous coûtera pas cher. Croyez-moi. En passant, t'as rien remarqué de bizarre ces derniers jours? Ben, pas des bordées de neige qui tombent sans bon sens, puis les ratons qui tournent autour, plus qu'à coup de fouet. Non, rien, pourquoi? Ah, inquiète-toi pas. Un homme mystérieux, un mystère. Salut, l'érudit! Lustignore-là, Amy. Aime-moi. Puis là, tu vas comprendre. Je veux rien savoir, moi. L'amour, ça se commande pas de même. Puis tu veux bien courir jusqu'en enfer. Hey, ça y est, toi, pas si pourri, là. T'es déjà en enfer. Ton ignore, il va y brûler, lui, avec. Plus vite que tu le penses. Laisse parler. Il fait juste ça pour nous diviser. Ben voyons donc, la dernière fois que je l'ai vu, on était ensemble. Puis tu sais bien qu'il me peut au nez. Tu es rien qu'une menteuse. Je suis sûr que t'es tout le temps avec. Je n'ai même plus au rond. Et l'érudit me fait plus confiance. Si je peux plus faire confiance à personne, au moins à toi, crois-moi. T'es pas normal, toi. J'ai besoin d'aide. Hey, la folle. Tu vas me laisser tranquille direct tout de suite. Je veux plus te voir. Ça me déçoit vraiment parce que moi, je suis là pour toi. C'est ça. Sac-moi ton camp. J'ai plus besoin d'une sorcière dans ma vie. Va-t'en! De toutes les vérités, il n'y en a qu'une pour l'homme. Il n'a qu'une seule façon d'être. Moi, très que ça, je suis en accord et en mesure d'activer cette potion d'éternité. Mon cher ami l'érudit, je l'ai fait pour toi et l'autre. Qu'elle traverse le temps. Que sa grandeur l'éternité. Qu'elle devienne réelle. Longtemps que j'ai pas vu ma folle.
Je pense qu'elle a compris le message. C'est bien mieux de même, surtout depuis que l'apprenti tourne autour. Qu'est-ce que c'est? Les as-tu ensemble? Bah, t'as pas besoin de ça, Flo. De toute façon, elle est pas pour toi. Les sorciers avec les sorcières. Répondons à ma question, sont-ils ensemble? Bah, je l'ai vu, la sorcière, en m'en venant au bord de l'eau, là. Là, je veux voir ça. Imagine tout le savoir que je peux t'enseigner. Tu sais bien plus d'affaires que tu penses. Qu'est-ce que t'as fait à mon homme? C'est comme ça, l'amour. Ça arrive, ça repart. Comme par magie. Ton faible, il t'aime plus. C'est de même. Bientôt, ça sera ton tour. Comme par magie, toi aussi. As-tu vu? Ça va bien, elle. Elle est pas mieux que morte, hein? Je te l'avais dit, qu'elle est allée où, j'étais grand bras. Mais qu'est-ce que je te l'avais dit? Il faut oublier d'avoir Jerry, là. On fout avec ça, on n'a pas le temps, ça fait pour faire. Hey, c'est ce qu'il faut que je fasse. Puis y'a rien qui va m'en empêcher. Pas même la pire des peines. Ouais, demain, il faudrait bien que j'aille voir Florent pour savoir ce qui se passe avec mes viandes. Mais en même temps, je me demande ce qui arrive avec Emeralda. Toi, tu n'as pas vu Emeralda? Un peu. Beaucoup. On est ensemble, Master. Mais voyons, Emerit. Comment ça se peut? Et pas pour toi. Florent, il est plus amoureux d'elle. Il est pas tout l'érudit. Les mains étant en peine, je la console. Elle a pas l'air derrière ça. Demain, je vais vous accompagner. Vous allez bien voir que ce que je vous dis est vrai. Toute vérité n'est pas bonne à savoir. Mais si tu y tiens, nous partirons tout. Mais je me demande quand même ce qui se passe. Je ne sais ce qui se passe. Crains pas. Je le sais, moi aussi. Frey est le diable. Non, c'est Émérite qui t'a mis de même. Qu'est-ce que t'as fait? Erreur.
terre. Sa garde. Le vent souffle. L'air. Que le coup de couteau que j'avais donné à l'érudit n'avait pas été fatal, parce qu'il a fallu qu'il parte en catastrophe pour son colloque. Même, il évitait que le mal reste au village, il mérite à la suivre pour récupérer les autres bouteilles. Puis comme ça, on allait pouvoir enfin hiberner tranquille, Châteauguay à l'aide de nouveaux livres. Une fois là-bas, en compagnie d'Adrec puis les autres sages, l'érudit allait réserver un comité d'accueil à son ancien apprenti. Quand tu liras ces mots émérites, je serai loin. Tu auras l'éternité. Mais qu'en feras-tu seul? Il reste deux bouteilles. Qui les boira? Oh, l'érudit! Ouais. Hey, vous deux, écoutez-moi bien. Florent le boucher, il a tué Emeralda, puis j'ai tout vu. Je veux qu'on s'en occupe ensemble. Vous autres, vous allez me chercher demain matin, puis vous me l'amenez à l'arbre. Hey, pas si vite, t'as besoin de... Arrêtez pas avec ça. Il mérite rien que ce qu'il va avoir. Faites ce que je vous ai dit, puis tout va bien aller. On se voit demain. En passant... Parlez pas de ça à personne. Il pourrait peut-être se douter de quelque chose. Le bruit circule vite, ici. Payez le salaud. C'est bon! Y'a-t-il été jugé? Ouais, j'ai la procuration avec moi. Non! Attendez-le! Non! Appelez-moi ça! Non! 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 Encore tout vu, a attendu que tout le monde soit parti, puis est revenu, comme l'érudit avait dit. J'ai fait la mort! Oh, calmos! Tu te rappelles-tu quand l'érudit m'a parlé dans l'oreille? Ben, il m'a dit d'aller proche du rond. J'y trouverais une bouteille puis de la boire. Sur le chemin, je sentais que c'était magique. Le temps était bizarre. La neige avait fondu. Mais c'est juste quand ils m'ont pendu que j'ai compris ce qui m'arrivait. Je suis immortel, la blette!
Rudy est parti depuis longtemps. Puis là, c'est la blette qui meurt. Dieu son âme. Par chance, il me reste son petit-fils, Jérémy, sur qui j'ai promis de veiller comme si c'était mon enfant. À cette heure que j'ai freiné le temps, je peux peut-être essayer de ralentir le mal.